Quoi de mieux qu'une première sensation pour lancer un gala? Sébastien Lorenzi du Bastia Kickmax Short Orange face à Gérard Kouchad du Kickboxing Club Luchan en moins de 91 kg. Et un crochet droit au menton décolle pour un public conquis d'emblée. Kouchad ne se remettra jamais de cette entrée en matière et Lorenzi placera un autre crochet droit tout aussi efficace. Arrêt de l'arbitre, première reprise. Et l'intérêt de monter avec le derby de la soirée en catégorie promotionnelle, soit la plus haute classe, Damien Grégoire du Pitbull Ajaccio affronte Fernando Ribeiro du TBK Fiumorgue. Et c'est Ribeiro qui domine la première reprise, ses larges crochets ébranlent Grégoire qui vacille. Compté, sonné, Grégoire fait front à l'expérience. Ils font mal tes low kicks, à chaque fois que tu les prends, ils font mal. Décale-toi, low kick à gauche, tu te décales à droite et tu envoies tes low kicks. Oh ! Low kick ou coup de pied bas, voilà ce qui permet à Grégoire de revenir dans ce combat et de remporter cette deuxième reprise. On assiste en fait à une véritable opposition de style. Ribeiro rentre avec ses crochets, Grégoire fait valoir ses jambes, mais les deux boxeurs d'aller au bout d'eux-mêmes dans un round partagé. Mais c'est bien la première reprise qui emporte la décision. Ribeiro est déclaré vainqueur au point. Mais ce gala de Luchan est aussi fait pour que les boxeurs du club montent sur le ring. Sagueris, Alexandre Vast à casque rouge se voit proposer Jérôme Maxime du Bourget. Un combat équilibré et une victoire au point pour Vast. Mais d'abord, une vraie émotion. On voit que le monde répond présent. Et pour nous, c'est une grande satisfaction, c'est un gage de confiance aussi. Et par rapport à cette discipline et cette soirée, on s'y retrouve. Avec des gestes superbes comme ces coups de pied retournés de Bulatovic, jadis légionnaire au deuxième raid de Calvi, aujourd'hui basé à Aubagne. Ou les low kicks dévastateurs du Nîmois Al-Badawi qui coupe littéralement les muscles de son adversaire. Ou encore ce chaos de Bombo, le boxeur d'Arles qui touche au foie l'italien Mamini. Souffle coupé. Combat terminé sur du grand spectacle.